C'est parti pour la suite de The Witcher 3. Dans la série d'épisodes précédentes, parce que ça a été un épisode que je vais sûrement couper en plusieurs parties parce que ça a duré 1h32, on a beaucoup avancé dans la quête des affaires de famille. Sauf que les affaires de famille, ça nous a fait faire plein de quêtes sur le côté également et ainsi de suite. Et pour pouvoir avancer dans l'affaire de famille, il va également falloir qu'on avance dans les Dames de la Forêt, donc la quête qu'on a débloquée en avançant sur l'histoire de Ciri s'en est pris à des sorcières, tout ça. Et les choses vont s'entremêler entre les deux, très probablement. Là où ça me fait un petit peu peur, c'est que j'espère qu'en avançant ces quêtes-là, je me retrouve pas du coup à approcher de trop du point où on va devoir quitter la région, une connerie comme ça, mais on va voir, au pire on changera une partie s'il le faut. Donc, les Dames de la Forêt, découvrez si Ciri se trouve à... Non, c'est pas ça, c'est ça. Trouvez les moires du marais de Torséchine. Comment on sort? Comme ça. Excellent, au niveau de mon sac. J'ai beaucoup de babioles. Un peu de thunes. Je pourrais peut-être faire un petit tour chez le marchand, mais si ça dure pas trop longtemps. En quoi puis-je vous... Je jetterai bien un coup de... Alors... Non. Réparer. Commençons par le commencement. Et ensuite. Qu'est-ce que je peux démonter? Mal rangé, attendez. Faire ça. Tac. Ça. Tac. Et maintenant, je peux faire démonter. Ce sera plus simple. Comme ça, là, on a des composants. Et là, on arrive sur du divers. Ok, j'ai plus une thune. J'ai pu récupérer pas mal de trucs. Lui, il les veut pas ces trucs-là, non. Hop. Et hop. On est réparé. Revoir. On a un peu plus de matériaux cool que d'horreur sur le dos. Ah oui, mince, est-ce que je peux avoir une nouvelle armure? J'ai besoin d'une arme. On est monté de niveau, peut-être qu'on a des nouvelles choses qui sont dispo. Enfin, dispo, qu'on peut porter. Niveau 8. Non, c'est niveau 9 que j'aurai. Un nouveau pantalon. Au revoir. Alors. Que cherchez-vous, cheveux blancs? Le baron sanglant sec, vous êtes là? Oui. Il sait, il sait. Pour faire l'énorme détour. Vous les mâchez ou vous les avalez? Est-ce qu'il leur paye un tribut? Ça oui. Est-ce qu'il les reçoit chez lui? Oui, d'accord. Alors pourquoi vous construisez des barrières? C'est un bon boulot pour mari à trouver, hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté un seau d'épluche. Ok. Alors. Vers où souhaite-t-on aller? Le bas, vers ici. Je vais prendre ça. Partir vers là-bas, il y aura sûrement un panneau pour le TP en plus du panneau d'affichage. Souvent ça vient ensemble. Yeah! Alors.
Tac, je vais aller ici. Où est mon cheval? On m'amène mon cheval. J'ai envoyé mes petits. Quoi? Attention, Andouille. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive au meilleur. Vous est arrivé quoi, la figure? C'est bien, Ablette. C'est bien, Ablette. Je suis allé chercher des brindilles dans la forêt. Tu n'as pas entendu le chasseur. Il veut plus sprinter, mon cheval. Du nerf, Ablette. Elle a plus envie. Elle est blessée ou quoi? Trotter. J'ai pas le droit de sprinter. Moi, j'ai pas le droit de sprinter. De faire un galop. J'ai le droit que de trotter. J'ai cassé mon cheval. Un peu déçu. Donc on a la route, hein. Moi, j'ai moins de chances de me cogner. Et merde. Ah. Ça passe. Bien, ouais, Jablette. Ah merde. Comment on fait maintenant? Et merde, Ablette. Nous voilà tombés bien bas. Je peux monter avec Geralt? C'est un nom, Ablette. On s'est fait niquer. Bon, ça, Gérald, il peut le passer, par contre. TP Ablette. Après. Ah, mais dans quoi j'ai mis les pieds, moi, encore? Bon sang, je suis obligé de faire des tours et des détours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aurais dû suivre le chemin, j'ai été débile. Oh non! Attendez. Je suis arrivé dans le niveau où il y a Ciri, qui s'est battu contre le loup. C'est bon, j'ai paniqué. Tout va bien. On est retombé là où il y avait. Là où on a joué Ciri contre le loup-garou. Et maintenant elle peut galoper de nouveau. C'est bien, Ablette. C'est bien, Ablette. Bon, on a un peu paniqué, mais on y aura gagné au change. Galoper. Il n'y a pas de panneau de TP ici. J'ai été eu. Je pensais qu'il y aurait... Ah, il y a un panneau de TP. Voilà. Ah, ça fait plaisir, ça. Bon, il s'est rajouté à la carte. Culterrier. J'en ai entendu parler de ça, Culterrier. Ah non, peut-être pas. Ça sent bon le village, quoi. Alors. Et merde. I. Huile. Nécrophage.
assez nombreux, hein. Faudrait que je fasse une méditation, par contre, parce que j'ai plus beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai fait ? RR. Mince, j'ai utilisé de l'eau. J'ai plus beaucoup de popo. Nice. Du ghee. J'en ai besoin pour une de mes recettes. Oh merde, c'est verrouillé. Allez, on remet de l'huile. Moins de rugissement et plus d'action. Rien à lutter sur lui. C'est beau. Ravissant. Ok. Pour éviter de trop s'écarter du chemin. Bon, c'est un coffre juste à côté, pourquoi se priver ? Le chien avait très faim, il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc, et on a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu, et on va te faire rôtir. 1, 2, 3, celui qui ira chercher du bois, c'est... toi ! Drôle de comptine. J'avoue. Partez, je vous connais pas. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici ? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi ? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai, d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Il n'y a personne d'autre ici. Comment ça ? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à six yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais... il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes ? Qu'est-ce que j'ai dit, hein ? Personne n'a le droit de venir ici. Personne ! Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui ? Un bandit ? Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui.
J'avais une longue natte tressée par ma mère, et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée ? Non, c'est ma fille. Fille ? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant ? Peut-être qu'on leur a fait du mal ? Ça ne mène nulle part, ça. Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants ? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. » Vilain mot, méchant garçon, entre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. Voilà, encore une drôle d'histoire, hein. Éclat de lune. Voyage aux confins du monde. La sirène, lointaine cousine de la harpie, est un monstre ailé vivant sur les îles désertes et les zones inaccessibles de l'archipel de Skellige. D'après la légende, les sirènes seraient les descendantes de Razvelg, légendaire géant ailé vivant au bord du monde et faisant naître des tempêtes à chaque battement de ses ailes. Voilà pourquoi les sirènes apprécient la compagnie des géants et installent souvent leur nid à proximité de leur antre. Ces créatures attaquent les navires depuis les airs, déchirent les voiles et emportent les marins dans les airs. Elles s'en prennent également aux voyageurs isolés en se promenant le long des côtes. Voilà, enfin un jeu où les sirènes n'ont pas des queues de poisson. Les sirènes ont bel et bien des ailes. Couvert les harpies. Irinia. Sirène. Les succubes, oh là là, on a découvert un million de trucs. Ça s'est verrouillé. La verveine. Des tisanes. Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit, c'est interdit. Mais alors moi je suis pas un petit gamin. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot ? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Ouais, enfin, grand-mère, il lui manquait un boulon, là. Déjà vu Jeannot, visiblement non. Grand-mère, vous a déjà fait du mal, j'ose imaginer que non. Son amie, elle a pas peur d'entrer dans les bois, pourquoi ? Elle vous traite bien, grand-mère ? Elle vous a déjà fait du mal ? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. La femme que je cherche en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère, pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aide. Oh bordel, non. Vous ne voulez pas autre chose, plutôt ? Tu veux pas une pierre précieuse ? Je veux un bonbon. Moi aussi. Des fruits ? Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Tenez, voilà des bonbons. J'ai des bonbons. Eh oui! C'est bon, c'est sucré! Eh oui! Je les ai marinés dans de la bière!
Ah non, on va pas faire une partie de cache-cache non plus, hein, faut pas déconner. Totalement invisible. Rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Parle, bon sang. De mal. Où est grand-mère? Tu fais disparaître grand-mère. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal, promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Merci, petit gars. Villamo. Bou, bou. Qui a dit cul? Ah. Bonne ambiance. J'ai pas médité. Je savais que j'avais pas médité. Mais j'ai de l'huile. De faire n'importe quoi et on va on va gentiment méditer. Oh, je peux faire les bombes d'Emeritium. Bloque la magie et capacité magique. Lutte contre les ogroïdes. Méditation.